Bienvenue dans le monde des freestylers. Moi, c'est Sophia, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, il n'y a que le fun qui compte. Si tu veux nous rejoindre, c'est facile. Tu prends un avion, tu fais toutes les acrobaties de la liste dans l'ordre indiqué, et n'oublie surtout pas ton sac à vomi. Si tu l'utilises, t'as perdu. Mais si tu bats mon score, tu gagnes. Plus tard, je te montrerai ce que je sais faire, mais pour l'instant, c'est ton tour. 3, 2, 1. Essaye un tonneau maintenant. Commence par stabiliser l'avion et oriente le stick dans la direction que tu veux pour réaliser un tonneau complet. C'est compris ? On passe au air drift. Maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais. Prudence pour les vols à la verticale. Oriente une des ailes de ton avion vers le bas et ça devrait le faire. Essaie un looping. Tire sur le manche pour faire un tour à 360 degrés. Et maintenant, basse altitude. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Fais juste gaffe à pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence. C'était mortel, bravo. T'as assuré. Faut que tu rencontres mon pote Emmett au barn. Je suis sûre qu'on te trouvera des trucs à faire. Et toi, tu dois être le nouveau talent dont Sophia m'a parlé, non? On va voir si elle sait aussi bien évaluer ses recrues qu'elle sait piloter. Et conduire. Et aussi... tout ça, quoi. Bref, tu m'as compris. Alors, je dois t'expliquer ce qu'on fait ici. C'est pas facile à décrire. Tu vois ces mecs, là? Ils bossent dur, ils aiment s'éclater. Et ils arrivent à vivre de leur passion. Si on n'est pas capable d'en faire autant, c'est qu'on n'a rien à faire ici. Mais bon, Sophia a l'air de te faire confiance. Ça veut dire qu'elle t'aime bien. Au fait, elle et moi, on a quelque chose pour toi au magasin. C'est là-bas. Tu pourras prendre de nouveaux modèles une fois que t'auras chopé les bases. Mais... je vais t'en offrir un, juste pour te faire plaisir. Et n'oublie pas de sourire quand Sophia t'aura bien humilié là-haut. En attendant, tu devrais te trouver quelque chose à faire. Ici, y a pas de règles, à part « faites ton mieux et éclate-toi ». T'as intérêt à les respecter.